أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vraiment, c'est un grand favori depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins permettent-nous pour vivre pendant le mois de Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple des Djimoun. Un là-dedans, un Djimoun qui les fins réussit à atteindre l'objectif qui tout mu'min est là. Tout croyant, tout mu'min se désire ardent. Quelque chose qui est le plus grand souhait qu'il y ait là sur la terre, c'est la shahada. Les mots comme un martyr, comme un shahid, dans le chemin Allah. Quand il fait la guerre pour lire kalima la ilaha illallah, ou bien pour défendre les musulmans, les mots dans sa chemin là. L'autre là, il n'a pas fini de gagner un shahada. Premier là, il gagne un shahada. Il mot comme un shahid. L'autre là, il n'a pas fini de mot comme un shahid. Après la mot, sa shahid, là, il continue de vivre. Et il fait le mot en la mot normal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître qu'il sa deuxième djimoun là. Celui qui finit gagne un amour normal, il y en a plus valeur auprès d'Allah dans sa circonstance-là. Là, hein? Pas les mêmes affaires générales, dans sa circonstance-là, il y en a plus valeur auprès d'Allah qui sa shahid. Là. L'état, les sahaba demandé à Rasulallah, mais comment capable ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il il pas fin vivre après qu'il a dit mon là fin shahid et si sa deuxième là pas continue vivre il continue faire namaz il continue garder rosa dans le mois de Ramadan il continue témoigne ben Ramadan encore après qu'il a shahid là fin mort donc sa mois Ramadan là vraiment une belle faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau sur mon serviteur, mais il faudrait qu'il serviteur là, lui, qu'on fait un Ramadan, une faveur à lui. Parce qu'en même temps que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut donner une bonne nouvelle à mon sahaba que Ramadan peut rentrer, lui peut demander du'a. L'eau mimbar, dans le masjid al-Nabawi, Jibril alayhi salam peut demander à pardon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire Amin. Qui doua, un parmi les doua, malé à celui qui finit vivre dans le mois de Ramadan, mais il n'y a pas fin gain Allah ta'ala sur Rahma. Malé à lui. Il n'y a pas fin gain Allah ta'ala sur pitié. Malé à sa dimoune. Frère en islam, un de mes grands ibadet que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finançait nous, en général, en dehors Ramadan, de Ramadan, mais surtout dans le mois de Ramadan, surtout dans la nuit de Laylatul Qadr, c'est l'istighfar, d'Iman Allah pardon, Tawba, retourne vers Allah. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha demande avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, qui m'a besoin de lire si jamais m'a fait témoin Laylatul Qadr, les dire, dire Allahumma, oh Allah, innaka afouun, certainement tu as pardonné, tu hibbul afwa, tu comptes pardonner, fa'fu anni, alors pardonne-moi. Taouba istighfar.
Frère l'islam, un de mes bienfaits du mois de Ramadan, c'est Laylatul Qadr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne par ce man action qu'il fin faire chaque Ramadan, comment arrive 10 dernières la nuit, il fait l'itikaf. Qui fait l'itikaf? Il fait l'itikaf pour rôde la nuit de Laylatul Qadr. Il fait l'itikaf pour rôde la nuit de Laylatul Qadr. Quand la nuit de Laylatul Qadr? Il y a plusieurs hadiths. Et là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin d'yali en général, rôde Laylatul Qadr dans les 10 dernières la nuit du mois de Ramadan. Et là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin d'yali avec plus précision, rôde Laylatul Qadr dans 10 dernières la nuit, ban la nuit qui impère, c'est-à-dire 23, 25, 27, 29. Et là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin préciser, en la nuit, Laylatul Qadr, c'est 27e nuit. Et là, hadith, il y a un riwaya, c'est 23e nuit. Et là, c'est 25e nuit. Et l'interprétation, certaines man ulama, ou certaines man hadith, qui peut montrer qu'il a Laylatul Qadr, il est capable aussi de man la nuit de paix. 22, 24, 26, 28, 30. Qui fait, hein? Un boy man hikma, boy man sagesse qui est là, qui Allah subhanahu wa ta'ala pan les nous connaît exactement qui la nuit Laylatul Qadr. Et aussi, hikma qui fait Laylatul Qadr dans Ramadan, il n'est pas même pareil tous les années. Veut dire probablement cette année-là, Laylatul Qadr, 23e nuit. L'autre année, Laylatul Qadr, 25e nuit. L'autre année, Laylatul Qadr, 27e nuit. Licencié. Qui hikma est dans sa déquitose là? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envie de nous zéfo. Zéfo par le rôle de Laylatul Qadr. Définitivement, un djimoun qui passe tous les 10 nuits dans l'ibadet n'est pas pareil comme un djimoun qui passe une seule la nuit dans l'ibadet, même si ça une seule la nuit là, Laylatul Qadr. N'est pas pareil. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Certainement, nous fin révéli, veut dire Coran, dans Laylatul Qadr. Qui veut dire ça? Coran, il a des révélations. Première révélation, prend depuis le 7e le ciel, que Allah pour finir le ciel qui plie près avec la terre. Un seul coup, Allah fin descend le Coran là en entier. Dans Laylatul Qadr. Ensuite, Laila, Jibril alayhi salam, tu veux prendre le Coran depuis le premier le ciel pour descendre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ayat par ayat, ou bien quelques ayat par quelques ayat, ou bien surah par surah, selon mon événement et mon circonstance, pendant 23 années. Mais, le Coran fait révéler un seul coup dans Laylatul Qadr. Et commencement révélation Coran dans Laylatul Qadr. Ensuite Allah Ta'ala dit: "Wa ma adraka ma Laylatul Qadr." Et qui s'en a pour informe-toi? Qui était Laylatul Qadr? Comment tu connais qui était Laylatul Qadr? Souvent des fois dans le Coran nous trouve sa expression là: "Wa ma adraka ma al-haqqatu ma al-haqqatu." Quand Allah pose sa question là dans le Coran, qui était Laylatul Qadr? Qui s'en a pour informer concernant Laylatul Qadr? En vérité, Allah Ta'ala peut faire connaître qui, premièrement, il vous donne certaines informations, l'eau s'acquitte sur ça dans Laylatul Qadr. Deuxièmement, Allah peut montrer valeur, l'importance s'acquitte sur ça. Ou bien aussi, Allah peut montrer gravité. Par exemple, Al-Haqqa, Zoukriyama. Donc, si ce pas cette expression-là, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, nous vous infinis comprendre qu'il y a Laylatul Qadr là, il y a une nuit extraordinaire. Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr.
ليلة القدر لميّة أنت زمان في عبادة ليلة القدر لميّة بلي بون كي ميل موا ميل موا بيزيا 83 بان اني بلس 4 موا فيها كما ديها ان كوميسان نون دونيان كابيتال نون دونيان كابيتال ان مليون روبي Aller à l'investir, à faire commerce avec lui pour une période de temps, après de retourner, nous pouvons évaluer toi. Commerçant là, il est allé, un million, il est allé, il a investi, investi, investi. Quand ce délai est fini, appelle-lui. Ce capital et ce profit, tout, résiste 130 000 roupies. Je veux dire qu'il y a une faire. Défaite. Nous là pour évaluer sa commerçant là. Qui nous vous a dit un grand commerçant ça? Qu'on fait un business ça va là. Hein? Ou bien nous vous a dit un perdant. Un perdant. Nous guette nous la vie à stir. En moyenne, un musulman il vit entre 60 à 70 ans. Nous mettons 70 ans là où la terre. Nous guette un musulman qui. Serrier d'andine. Ça qui nous appelle serrier d'andine. Veut dire, lui faire ce 5 fois la masse par jour dans l'air, lui faire un petit guide adhkar, lui faire un petit lawat Coran, et lui écoute un peu de causerie une fois par semaine. Ça musulman qui serrier là, en moyenne, lui passe 13% sur la vie dans l'ibadat Allah. Les restes 83% là, et là qui a des bonnes affaires, qui par ibadet, par exemple, il dort, il mange, il boit, et là, il a désobéissance à Allah, et là, il a travail, etc. 10-13% qui li passe dans ibadet Allah. Si un dimoun il vit 60 ans dans la terre, un petit peu moins que 8 ans dans ibadet Allah. Et nous avons envie qu'il y ait un djannat avec sa 13% là. Comment dire, sa businessman là, quand il vient nous donner un million, il a même dit 130 000 avec nous, il a envie, businessman là, il a envie de nous dire, il est un grand commerçant, toi, prends un prix pour toi. C'est ce qui nous peut envie faire avec Allah là. 13% nous la vie, dans 60 ans, 8 ans, dans 70 ans, 9 ans seulement, dans l'ibadat Allah, nous avons envie qu'Allah Ta'ala honore nous, fait nous gagner un net. Un grand merci à Allah, nous disons, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim qui peut faire. Un grand merci, nous disons, c'est Ar-Hamur Rahimin qui peut faire. Si Zimoun qui peut faire, nous disons, nous l'aquons nous. Get Allah, comment compte en nous. Toi, le travail, tu as une récompense. En l'étant, quand nous guettons, pas ribadat, li, mais seulement les vins ribadat quand nous l'intention bon. L'étant qui nous peut passer avec nous la famille, en mission avec ce madame, nous gagne récompense. Même dans un moment intime. Nous peut manger boire, nous gagne récompense. L'intention qui vient. Qui fait nous peut manger boire, l'intention. Qui fait nous peut travailler. Qui fait nous vivre avec nous, madame, l'intention qui est importante. Comment dire, l'eau, ça 13% là, Allah ajoute ban bonus. Là, nous sommes capables de sortir un 30-40%. Imagine un dimon à ce qui vive 70 ans là la terre. Mais c'est quand il est présent, divan là, ibadat, 9 ans seulement là. Neva ibadet seulement. Allah donne nous un plus grand bonus. En la nuit, là il a tout le cadre. L'eau sa neva là ajoute 83 bananes. Si un dimoun dans la vie, une fois l'ingain, là il a tout le cadre. Quand il présente divan là, il vit 70 ans. Les présents divan là avec 83 plus 9 bananes ibadet. À cela, il y a des gens qui vivent 70 ans,
Combien Laylatoul Qadr a l'occasion pour le rôder? Ça que Laylatoul Qadr encore, il y a 83 balles l'année. Ça là, dès le départ, nous en profitons même ça. Dès le départ, nous en profitons. C'est ça qui peut attendre nous. Dans sa bande la nuit qui peut venir avec nous là, à partir de demain, sa bande la nuit là, c'est sa faveur là qui peut attendre nous, frères en islam, dans le mois de Ramadan. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Faman urima khayruha » Celui qui finit d'être privé de man bénéfice de sa la nuit là, « Faqad urim » Alors vraiment, vraiment il y a une pierre d'or. Vraiment il y a une pierre d'or. Pour nous capables, rôde ça la nuit là vraiment avec une ferveur, une préparation physique et une préparation psychologique. Préparation physique, l'inormal, si dans la journée nous faisons un travail dur, nous sommes fatigués, c'est pour impossible pour dans la nuit, nous passons la nuit là dans l'ibadet. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, normalement, jamais tu peux passer la nuit blanche. Zame, li tipe pas ban la nuit blanche complètement dans l'ibadet. Li dormi, li allait lever faire ibadet. Ou bien li faire ibadet après li dormi. Un parti faire ibadet, un parti dormi. Excepté dans sa 10 dernière nuit dans le mois de Ramadan, li lève sur ban famille, lève sur ban famille ou faire ibadet, et li passe la nuit dans l'ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement, vous avez une préparation physique. Nous besoin dans la journée faire un travail léger. Si nous là vous prenons congé depuis avant, mais c'est nous bien créer nous un congé dans ça 10 derniers jours là. Là nous capables de dormir la journée tantôt nous dibouter dans ibadet. Et ban mu'takif, ban du monde qui peut faire i'tikaf, ça nous a besoin faire. Si tu fais la nuit vin les jours vin la nuit. La journée dormir asseoir dans ibadet. Asseoir pour de Laylatoul Qadr. Deuxièmement, quelque chose qui vous pousse nous vraiment pour faire sacrifice, pour passer sa main la nuit là pour gagner ça. Et là, il est tout le cadre là, c'est nous mettre dans nous l'esprit, nous mettre dans nous l'esprit, valer, là, il est tout le cadre. Allah Ta'ala dit, « Tanazzalul malaikatu wa rruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. » Jibril alayhi salam, ben ange, je descends l'eau la terre avec l'eau d'Allah. Dans la nuit de Laylatoul Qadr, ben ange peut descendre l'eau la terre. La terre là remplie avec ange. Salamun hi. En la nuit tranquille, paisible, la paix. Hatta matla'il fajr. Jusqu'à qu'il arrive le namaz fajr. Jusqu'à qu'il arrive les namaz fajr. Donc Aïcha radiallahu anha lui demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasoul Allah, qui ibadat m'a besoin faire pour Laylatoul Qadr? Il dit, Allahumma innaka afouun tuhibbu l'afwa fa'afu anni. Qui différence est entre l'afou avec l'maghfira? L'maghfira, استغفار استغفر الله نجى الله والله كوفي أبشي لا كاسيت لي قادون ما بيجا كاسيت لي العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لبلسكي مغفرة والله غفاس بيسي لا ان تراس بينا كي تراسي تراس توالي جت كي دعاء Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous vous demander dans Laylatoul Qadr. Parce qu'il péché, frère en islam, les commandiens de poison qui rentrent dans mon lekir. Un poison qui peut affecter la santé spirituelle. Et tant que je n'ai pas guéri ce poison-là, il peut plus affecter moi. Comment vous guérir? C'est faire sirfar. Je m'en ai pardon. Je m'en ai la taouba, fais taouba. Et si je n'ai pas guéri, je n'ai pas un petit point. Il y a un petit PC qui a dit mon frère. Si je dis mon là, je ne dis pas que je m'en ai la pardon,
li pou fait deuxième, li pou fait troisième, li pou fait quatrième. Jusqu'à qu'il est qui est là, li prend les rues. Il est malade net. Là là, cause à l'argent, dit mon là pas pour réfléchir. Le gars là pas trembler du tout là. Mais quand dit mon il fait péché à cause ça même qui était au bas, un devant stratégie qui s'est éteint service ça. Li repousse nous. Plutôt inchallah, cause quand dit mon il fait péché, li besoin dit mon là pas non tout de suite. Mais pas retard sur au bas. Il dit mon là pas non tout de suite. Parce qu'il s'est éteint pour un plutôt un t'aller à l'eftal dans l'eftal doit accepter tout fait au bas. Arrive l'eftal oublié. Dimanche matin c'est lui. Troisième tient la nuit. Allah même vous demandez que ça peut demander pour vous donner lui. Deuxième là pardon. Arrive la série. Oublié. Tout de suite nous besoin dimanche là pardon. Quelque chose boyer qui est là en train de serviter avec la guidance. Quelque chose qui empêche un serviteur continuer à faire ibadat c'est péché. À cause ça pour Laylatul Qadr. Quelle qualité doua que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour demander. Dans préparation psychologique la même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une fois, avant namaz, il dit Ban sahaba, wa idha kumta ila salah, quand tu débutais pour faire namaz, fa salli salata muaddi'a, faire comme si dirait ça même, dernier namaz qui te peut faire. Nous faisons que namaz à Sar, chacun par minute, tu donnes un état d'esprit. Parfois, dans le namaz, l'imam est capable de lire sur la Wadduha, sur la Nas, et dans le namaz, il dit Mme Moussali, qui sur la imam il lire. Et il dit Mme Moussali, pas connu. Parce qu'il donne namaz, nous donne namaz, nous l'écho là, mais nous l'esprit nous divague dans lui. Mais seulement, là nous pouvons faire namaz Maghrib, Inch'Allah, faire comme on dit, nous avons une confirmation qui après Maghrib, Malakoul Mord devait prendre nos roues, nous pouvons aller là. C'était aujourd'hui, nous pouvons mourir. Mais comment nous pouvons vivre ça dans le dernier moment là, la terre? Quel état d'esprit nous peut être? Comme ça même, ces 10 derniers jours qui nous restaient pour vivre dans le Ramadan là, nous l'état d'esprit bizarre, ça même 10 derniers jours Ramadan dans la vie. Satan, il est capable de nous dire 20 jours une traversée. Tu n'as pas sérieux du tout dans ces 20 jours là. Qui devrait l'embêter de même à 7 dans 10 derniers? Laisse le tramzan, Inch'Allah, depuis que commençons à mettre sérieux. Non. Pas pour rien le tramzan. Il y a une cause qui, ban imam, qui fait dawa, ban qui fait khutba, je t'habitais à dire. Mais c'est vrai, malheureusement, cause là, il rentre dans nos oreilles côté droite, saute dans nos oreilles côté gauche. Nous pas assez réfléchis là. Souvent, des fois, nous entendons ça. Combien ben du monde c'est avec nous Ramadan passé sans Ramadan là je n'ai plus avec nous. C'est une vérité ça. Nous tout qui là là, nous besoin qu'on au moins un du monde qui fait que là avant Ramadan il meurt. Nous tout besoin qu'on ait ça. L'autre Ramadan capable me tout. Capable moi qui pas pour là. Ça même dernier sens qui m'a pour vivre Ramadan. Et mon papa pourrait trouver Ramadan encore. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer. Et il y a beaucoup d'activités d'Ounia qui peuvent nous valer. Ou bien qu'il y a une valeur, oui, mais pas valeur, là, il y a tout le cadre. Qui peuvent comme un empêchement. Mais comme on le met dans la tête, ça même dernier Ramadan, tout ça, il y a des choses qui peuvent nous seconder. Il paraît qu'on dit il y en a plusieurs camarades. Il connaît qu'il y a un camarade là-dedans, là, il peut voyager, il peut aller, pas pour retrouver encore. Il peut aller établir Canada, l'Angleterre, l'Inde, l'Australie, pas pour retrouver encore. Mais le dernier jour, qu'il est resté un camarade là, il y a même les autres camarades encore qui connaît maintenant pour la même chose, besoin tous les jours. Ça n'a pas aller. Or, qui ça n'a pas passé en plus? Oh, sa camarade qui va vous retrouver là. Ramadan, aussi pareil. Match football. Nous, on a tout le temps encore après bouquet de football. Construction la case. Nous prenons tout le temps encore pour faire construction. Travail.
mon travail inutile, mon Dieu. Nous prenons tout le temps encore après pour faire un travail inutile. Mais Ramadan, là, nous ne pouvons pas gagner ça l'occasion pour gagner Laylatul Qadr là encore. Donc, ça, préparation, quand nous mettons ça dans nos mindsets, dans nous l'esprit, quand nous mettons ça là, ça même dernière occasion qui m'a gagné pour gagner Laylatul Qadr. Mais pour quitter tout le monde les autres occupations secondaires, mon problème pour venir dire, mon bizin gagne ça Laylatul Qadr. Donc, frère en islam, là, nous vivons dans la ligne droite finale à ce là. Là, plaque tournante dans nous la vie trouve dans sa main la nuit qui est devant nous là. Nous pas pour gagner man meilleure la nuit encore dans nous la vie. À part si elle est écrite pour nous vivre l'autre Ramadan. Mais dans nous l'esprit, paix dans l'autre Ramadan et nazis s'en là. Nous pouvons gagner devant nous un bonus qui a la PPP de nous. 83 bananes ibadet. 83 bananes là, mais dire depuis Gramantès, 24-7 dans ibadet. Nous avons ça devant nous là. Il faudrait vraiment nous faire des efforts. Et troisième préparation, premier nous connaissons valier là. Deuxième préparation physique et psychologique. Troisième, nous demandons à la doua. Oh Allah, fais-nous gagner Laylatul Qadr. Oh Allah, guide-nous pour vivre sa dernière 10 jours-là d'une façon qui te satisfait avec nous. Frère l'Islam, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide-nous pour vivre ma serviteur qui passe sa 10 derniers jours et la nuit-là dans une façon qui Allah satisfait avec nous, qui Allah écrit à nous. Parmi ce man serviteur qui fin gagne Laylatul Qadr, que Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, vil man serviteur qui nous purifie, qui Allah pardonne tous nos man péchés, et refasse tous nos man péchés qui nous fin commettre dans sa man la nuit qui est là devant nous là. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.